Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue sur Reboot 1, la première chaîne de Reboot, pour cette dernière journée avec Renaud Fossard et Eva Morel. Alors, vous êtes sur la chaîne Reboot 1, on a eu quelques petits sujets techniques, donc si jamais vous attendez à voir Reboot 2, actualiser la page ou peut-être aller directement voir sur la chaîne Twitch Reboot 2. En tout cas, si vous avez choisi cette conférence au sujet des liens entre la communication, les métiers de la communication et la loi et la démocratie, eh bien, vous êtes les bienvenus. Renaud, Eva, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, volontiers. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Renaud Fossard, je suis délégué général de l'association Communication et démocratie, dont je vais vous dire un mot, et je vais intervenir sur les questions de régulation vraiment des activités de communication. Communication et démocratie, c'est une association assez récente, en fait, elle est née en 2021. C'est une sorte de think tank, comme on dit, vous savez, une boîte à idées. Notre objet, notre principale utilité, c'est de produire de l'analyse de fond, des rapports, des notes, et d'aller les porter auprès des décideurs ou dans le débat public. Donc, on fait vraiment des activités de plaidoyer sur les questions de régulation des activités de communication, donc de communication commerciale, et c'est de ça dont je vais principalement parler aujourd'hui, la publicité, le marketing, mais également la communication RSE, la communication plus politique, hein, les activités de lobbying, de lobbying 360, et puis l'impact dérivé que l'achat d'espace peut avoir sur les médias ou sur Internet. On s'occupe de toutes ces questions-là. J'aborderai moins les questions des médias, puisqu'on a ici une spécialiste. Et par ailleurs, au-delà de réguler les activités de communication des entreprises, on s'attache à la question de la communication de la société civile ou de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire comment, cette fois, au-delà de l'encadrer, soutenir, en demandant encore une fois au pouvoir public d'intervenir, comment soutenir les discours de la société civile et des petites entreprises. Donc, voilà, et je suis très content d'être là aujourd'hui. Oui, merci Renaud. Eva, on a des problèmes de son, on ne t'entend pas, je crois. Alors, pendant que tu règles les problèmes de son, Eva, Renaud, est-ce que tu peux nous expliquer la situation aujourd'hui? Est-ce que la communication, c'est le Far West sur le plan législatif, sur le plan de l'encadrement? Est-ce qu'il y a déjà des lois? Et quel est le problème, en fait? Alors oui, malheureusement, c'est un petit peu le Far West. Alors ça peut paraître surprenant parce que un point central du discours des représentants aujourd'hui des intérêts du secteur de la communication, c'est de dire qu'on est déjà dans un secteur extrêmement régulé. Du coup, ça peut paraître surprenant d'entendre du côté de la société civile « Ah ben non, c'est le Far West ». Cela dit, il y a une raison un peu simple, il y a des jeux de langage. Si on considère que beaucoup régulé, ça se calcule en nombre de règles, alors oui, on peut dire que la communication est beaucoup régulée. Si on a une approche plus qualitative, vous savez, il suffit d'une règle pour être extrêmement rigide en termes de régulation sur la communication. Ce serait un article de loi qui dit la publicité commerciale est interdite. C'est absolument ni mon souhait à titre personnel, ni ce sur quoi travaille Communication et Démocratie, évidemment, mais il s'agirait que d'une seule règle. Je dis cela parce que les raisons pour lesquelles on entend souvent que la communication et la publicité en particulier est très régulée, c'est parce que pour la publicité extérieure, elle est régulée au niveau local par des communes et il s'agit d'encadrer à chaque fois, vous savez, le panneau, la taille du panneau, les supports. Et donc, on a effectivement en France des milliers et des milliers de règles pour encadrer la publicité extérieure. Et c'est à peu près tout, en fait. La publicité extérieure, c'est 10% de la publicité, hein. On sait aujourd'hui que les gros canaux de diffusion, c'est la télévision, c'est Internet, les prospectus également. Et si on prend les vrais leviers de régulation, il y en a trois, en fait. Il y a la question des produits sur lesquels on peut faire de la promotion. Il y a la question des messages par lesquels on peut promouvoir les produits.
Et enfin, la question des volumes de communication, de publicité, la pression commerciale que reçoit chaque individu. Sur ces trois sujets, la régulation est extrêmement faible. En réalité, sur la question des contenus, c'est le sujet le plus connu, entre guillemets, depuis le Grenelle de l'environnement en 2008, on commence à s'attacher à cette question. On a un dispositif d'autorégulation, c'est l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Pub, qui a remplacé le BVP en 2008 lors du Grenelle de l'environnement, avec un nouvel agenda sur les questions environnementales. Donc, alors, Renaud, sur cette question des contenus, ça veut dire de quoi on parle et qu'est-ce qu'on dit, si je te suis bien. Exactement, c'est la manière dont on vend un produit. On ne s'attache plus à savoir, là, si le produit est polluant. On s'attache à savoir comment est-ce qu'il est vendu. Est-ce que, il y a deux gros enjeux. Il y en a un qui est celui bien connu du greenwashing, ou plutôt du blanchiment d'image. Là, il s'agit vraiment de l'écart entre la réalité du produit ou du modèle de l'entreprise et le discours. Ça, c'est un premier sujet. Et l'autre, c'est l'incitation au gaspillage ou l'obsolescence marketing. Là, il s'agit d'avoir une manière de vendre qui est vraiment focalisée sur le renouvellement prématuré du produit. Vous savez, quand on met vraiment en valeur un nouveau produit dans un lancement commercial, en dévalorisant entre les lignes un petit peu le modèle précédent qui remplit la même fonction, hein, qui répond aux mêmes besoins. Et en fait, on invite… je pense à une pub Nike qui disait, qui a été diffusée il y a deux ou trois ans, qui disait… produit avec soin, mais ne pas l'utiliser avec soin, c'est quelque chose comme ça qui invitait un petit peu à dégrader son produit. Il y a eu la campagne Cdiscount qui a été bien connue, où il y a un individu qui regardait son écran et qui disait, alors je vous dis en substance, hein, mais il est bien grand cet écran, mais un accident est si vite arrivé. Et il y avait, c'était la période des soldes. Donc on invite à renouveler des produits alors que celui dont on dispose fonctionne encore. Ça, c'est vraiment l'incitation au gaspillage et l'obsolescence marketing. Oui, ça c'est le phénomène qui s'appelle obsolescence marketing. C'est quand l'obsolescence programmée, tout le monde la connaît, l'enjeu se passe plutôt du côté des ingénieurs au niveau de la production du produit, et c'est quand en gros, pour caricaturer, on paramètre l'imprimante pour qu'au bout de 10 000 tours, elle ne fonctionne plus. Donc là, on va être obligé en tant que consommateur à renouveler son produit de manière prématurée, parce qu'au niveau industriel, ça a été calculé de cette manière. L'obsolescence marketing, c'est quand le consommateur renouvelle son produit, alors qu'en fait, il fonctionne encore. Précisément, hein, les téléphones portables, on connaît bien, c'est documenté sur les écrans plats, sur les téléphones portables, le renouvellement prématuré des produits a lieu avant sa détérioration fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on change notre portable alors qu'il fonctionne encore. Donc, ces enjeux-là sont vraiment liés au discours commercial et c'est la régulation des contenus qui peut mettre fin à ces discours d'incitation au gaspillage ou alors aux questions de blanchiment d'image par les pratiques commerciales trompeuses. Et donc là, sur ces sujets-là, c'est totalement autorégulé ou à 90% parce qu'il y a un dispositif légal, les pouvoirs publics ont un outil, c'est celui des pratiques commerciales trompeuses précisément, qui vient d'être un petit peu amélioré, ou en tout cas la notion d'éco-blanchiment, la notion de pratiques commerciales trompeuses sur le problème environnemental, a été introduite dans la loi climat en 2021, une loi qui a apporté plusieurs éléments sur les questions de pub. Le problème, bon, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées contre Total, contre d'autres, pour éco-blanchiment. On n'a pas encore les résultats, mais disons que les pratiques commerciales existaient déjà auparavant, il était déjà possible d'aller sur la question de l'éco-blanchiment, et on a une condamnation en 2008 de Monsanto pour le Roundup, et c'est tout. Et sur l'incitation au gaspillage, on n'a rien. Il y a eu un petit article de loi qui a été introduit dans la loi économie circulaire en 2019, qui n'a jamais été mobilisé. Donc au final, les deux outils des pouvoirs publics, pratiques commerciales trompeuses et lutte contre l'incitation au gaspillage pour l'économie circulaire, servent à presque rien. Et le monopole de la régulation est assuré par l'autorité de régulation professionnelle, qui réunit donc les grandes agences, les grandes entreprises, les grandes marques et les grandes régies. Je dis bien les grandes, hein. Si vous êtes une petite marque ou une petite agence, vous ne pouvez pas rentrer. Et qui, effectivement, a un gros problème d'être jugé partie. Donc, leurs règles sont assez peu ambitieuses et l'application de leurs règles est très hasardeuse, vraiment. Au final, ça fait que sur la régulation des contenus, on a une efficacité beaucoup trop limitée. En tout cas, nous, on ne trouve pas cela satisfaisant.
Et là, on est vraiment sur la question de la régulation des contenus. Il y a la question des produits, et je finis là-dessus. Il y a la question des produits, pardon, et la question des volumes. Donc, sur les volumes, le niveau de pression commercial, nous, on considère qu'il faut qu'ils réduisent, tout simplement parce que plus de communication commerciale conduit à plus de communication, plus de consommation. Ça, si vous voulez, je pourrais en parler. On ne dit pas ça comme ça. On l'a étudié. Il y a des études universitaires sur le sujet. À l'évidence, on ne peut pas demander aux marques de baisser elles-mêmes leur niveau de communication. Elles ne le feront pas. Donc là, il faut vraiment l'outil légal. Il faut vraiment intervenir par la loi. Mais sur les produits donc très polluants, typiquement les SUV, nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment qu'il n'y ait plus de publicité sur les produits excessivement polluants ou mauvais pour la santé. La loi climat est intervenue sur ce sujet. On avait les lois E20 qui interdisaient la publicité pour l'alcool et le tabac, surtout le tabac. On défend des lois E20 climat et pour la santé publique pour interdire des produits qui posent des problèmes de type pollution ou santé publique. La loi climat interdit la publicité pour les énergies. Visiter les énergies fossiles sur 33 milliards, c'est rien, c'est vraiment totalement marginal. Vous n'avez pas vraiment de pub pour le charbon. Et l'autre élément, c'est l'interdiction de la publicité pour les SUV en 2028, c'est-à-dire 2 ans avant leur retrait du marché, c'est-à-dire une période où il n'y aura plus de publicité sur le sujet puisqu'il faudra anticiper leur retrait du marché. Donc, disons que d'un point de vue symbolique, l'interdiction de la publicité sur certains produits par la loi a été introduite par la loi climat et résilience, mais du point de vue pratique, c'est totalement inopérant. Donc, ce qui est demandé par un certain nombre d'ONG, y compris la nôtre, c'est l'interdiction de la publicité pour les véhicules très polluants. On peut discuter de ce qu'est un véhicule très polluant, mais en tous les cas, les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, on peut discuter des bouteilles d'eau en plastique, on peut discuter des smartphones qui posent des vrais problèmes. Sur ce sujet, la loi climat a... reculant sur la proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui allait dans ce sens, a mis en place quelque chose qui s'appelle les contrats climat, et c'est une véritable usine à gaz. Ça confère la responsabilité aux industriels eux-mêmes de définir d'abord qu'est-ce qu'un produit polluant et qu'est-ce qu'un produit vert, et ensuite d'établir une stratégie pour réduire les dépenses publicitaires sur ces produits-là. Donc, alors, ça paraît... Je crois que Eva et la super équipe technique MMI ont réussi à régler les problèmes techniques. Eva, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Impeccablement. Ok, super. Je suis vraiment désolée pour cette latence. Du coup, je peux rapidement me présenter. Après, j'imagine que vous aurez des questions. Mais pour présenter Cota Climat, c'est une association que j'ai fondée il y a 1 an et demi. Et on travaille sur l'amélioration du traitement médiatique des enjeux écologiques avec une perspective, avec plusieurs casquettes, disons. Une première, c'est travailler sur la régulation, donc le levier de la loi. La deuxième, c'est de travailler sur le levier de la technique et de l'objectivation de la donnée pour essayer de démontrer par la preuve qu'aujourd'hui, le traitement médiatique des enjeux écologiques n'est pas suffisant, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Et là, on a développé un certain nombre de métriques qui permettent d'objectiver ça. Et un dernier levier qui nous semble quand même important, c'est de faire du name and shame en interpellant les médias sur les réseaux sociaux pour décrypter les pratiques qui sont selon nous perfectibles et souligner le fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore au niveau. Et ça permet de créer une culture commune, disons, du grand public autour du levier que représentent les médias dans la transition. Donc voilà ce que fait Cota Climat. Merci beaucoup, Eva. Renaud nous a donné... l'action et le point de vue. Pour toi, si tu résumais à des personnes qui ne savent peut-être pas, les personnes qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas qu'il y a un problème possible de régulation, un problème de loi, et là tu ajoutes d'autres éléments sur le traitement médiatique, comment tu résumerais le problème aujourd'hui ? Du traitement médiatique des enjeux écologiques par le prisme de la loi ? Du traitement médiatique d'une part, et le problème de la régulation ou du manque de régulation. Quels sont les points qui, pour toi, sont vraiment importants en complément de ce que Renaud a évoqué tout à l'heure? Il y a énormément de facteurs qui expliquent pourquoi aujourd'hui les médias ne parlent pas suffisamment et pas suffisamment bien des questions écologiques. Il y a des explications qui sont d'ordre sociologique au niveau des directions de médias, au niveau des rédacteurs en chef. Il y a des explications aussi de modèles économiques. Et il y a un certain nombre d'explications qui relèvent aussi des pratiques au quotidien et du cadre réglementaire qui entoure le fonctionnement des médias aujourd'hui en France. Nous, ce qu'on a constaté, donc au départ, on avait souhaité établir, disons, des catégories de carences qu'on observe aujourd'hui dans les médias. La première, c'est donc la carence quantitative. Donc, pour donner un exemple de chiffre qu'on a pu quantifier, les médias aujourd'hui traitent à peu près entre 1 et 2% du temps des questions écologiques au quotidien. Donc, c'est très faible au vu de la gravité des enjeux.
Ensuite, il y a des carences qualitatives. Donc, ça représente d'une part une confusion faite de manière assez fréquente entre faits et opinions. Donc, en fait, on va considérer que le débat d'idées et le débat d'opinions peut concerner des faits scientifiques qui sont établis avec une certitude 100%. Et ça, ça nous semble délétère pour le débat public parce que dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de socle commun qui nous rassemble à partir duquel on peut mettre en débat des solutions, des leviers, des pistes. Et donc, c'est un problème pour la mise en mouvement de la transition à l'échelle de la société. Il y a aussi très peu d'experts qui sont représentés dans les plateaux télé, dans les pages de la presse écrite, au profit de polémistes ou de représentants d'intérêts, que ce soit des représentants d'intérêts économiques ou des personnes qui détiennent des opinions qui sont présentées comme de l'expertise. Et les visuels aussi sont très peu adaptés. Il y a beaucoup de dissonance qui est créée entre les contenus. Donc on peut par exemple voir illustrer des canicules ou des vagues de chaleur avec des personnes qui se réjouissent sur des plages en mangeant des glaces, ce type de choses. C'est pour nous créateur de dissonances cognitives profondes. Et dernière chose, parce que je pense que ça a été évoqué en long, en large, en travers, mais la dissonance avec la publicité, c'est un grand enjeu. Le fait que des contenus publicitaires défavorables à l'environnement soient accolés à des contenus qui informent sur l'urgence écologique, ça participe aussi à cette dissonance générale. Ce qu'on a observé, c'est que face à ces carences, face à ces constats, il y avait un certain nombre de médias qui, via l'autorégulation, pouvaient avancer. Il y a eu en septembre 2022 la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui a été publiée. Donc, c'est un ensemble de 13 points qui permettent de guider la profession pour améliorer ses pratiques de manière non contraignante, bien sûr volontaire. Et on a observé que cette charte volontaire qui avait été établie par la profession, ça avait pu inspirer beaucoup de chartes ensuite dans différents médias. Donc on a par exemple Radio France, France Télévisions, M6, TF1, Ouest France, Sud-Ouest qui ont sorti des chartes volontaires de leur côté qui reprenaient pas forcément tous les points de la charte de base, mais en tout cas les points qui peut-être leur semblaient les plus pertinents dans le cadre de leur rédaction ou sur lesquels ils pouvaient avancer le plus rapidement. C'était un premier jalon. Nous, notre constat, c'est que en parallèle de ces médias qui avancent, il y a un pool de médias pour lesquels ça va être plus difficile d'avancer parce qu'ils ont soit une perception idéologique de la transition écologique, donc ils considèrent qu'en fait traiter de manière éditoriale de ces questions, c'est du militantisme, ou alors ils vont carrément avoir une opinion politique qui va être opposée aux idées de la transition, et donc ça va apporter préjudice à la couverture de ce sujet. Selon nous, c'est problématique parce que ces médias, qu'on peut globalement catégoriser à droite du spectre politique, ce sont des médias qui sont consultés par une partie de la population qui est celle qui peut-être est la moins actuellement sensibilisée sur les questions de transition et qui a besoin de l'aide pour se mettre en mouvement. Et c'est notamment aussi des catégories de population qui peuvent avoir du pouvoir de direction, soit au sein des sphères politiques, soit au sein des sphères économiques. Et donc c'est problématique qu'il n'ait pas accès au même niveau d'information, disons, que le grand public. Donc nous, ça nous a semblé important de travailler sur le levier de la régulation pour à minima uniformiser le seuil de connaissance du grand public sur les faits scientifiques de base, donc, c'est-à-dire au moins lutter contre la désinformation sur l'origine humaine du dérèglement climatique, même son existence et sa gravité pour les sociétés humaines. Et donc pour ça, on a rédigé une proposition de loi et je pourrais détailler les différentes mesures qu'on a listées dans cette proposition de loi. Et cette proposition de loi, elle est actuellement en examen à l'Assemblée nationale par un groupe de parlementaires transpartisans. Et l'idée, c'est d'aboutir non pas à une censure du climato-scepticisme, mais bien juste à une régulation de l'information, comme on le fait sur d'autres thématiques, comme par exemple la représentation des femmes dans les médias ou la protection de l'enfance. Eva, il y a une question dans le chat. La charte quoi ? J'ai pas entendu. C'est la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Et donc, c'est une charte qui a été élaborée par un collectif de journalistes à l'été 2022. Donc, suite à la campagne présidentielle et à la publication des rapports du GIEC, où en fait on voyait que malgré la gravité des constats et la non-mise en mouvement des solutions, l'espace médiatique n'était pas du tout saturé, au contraire, de ces questions pourtant vitales. Et donc les journalistes, assez inquiets, ont décidé d'élaborer 13 principes qui recoupent un certain nombre de sujets qui peuvent aller de la transversalité dans les rédactions à des questions de modèle économique de médias sur des questions de publicité notamment. Merci beaucoup pour la précision. Alors, n'hésitez pas dans le public à poser des questions sur, ça vous paraît peut-être évident ou au contraire peut-être très étrange de réguler par la loi ou pas. Renaud, Eva, pourquoi, enfin, quels sont les arguments en faveur du non-régulation, si on se fait un petit peu l'avocat du diable? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Pourquoi les lois, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat d'interdire les publicités sur des produits qui sont, ce que tu évoquais, Renaud, en parlant de régulation des contenus, des produits qui sont évidemment problématiques,
comme les fameux SUV qui sont un peu l'exemple tarte à la crème, pourquoi ça passe pas? Moi, j'ai. Enfin, pardon, tu veux y aller, Renaud? Non, je t'en prie. J'ai quelques éléments de réponse par rapport à ça. Je pense qu'en ce qui concerne les médias, mais je pense que c'est un peu le même sujet pour la publicité, c'est des secteurs qui sont très difficiles à appréhender parce qu'à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, ça remet en question énormément de jalons de notre société, enfin, de la manière de fonctionner. Et donc, ce n'est pas des sujets qui sont traitables ex nihilo. Aussi, mais bref. Je crois qu'on entend le clavier, du coup on n'a pas bien entendu, il faut... Oui. Si tu veux bien nous redire, pardon. Oui, je disais, c'est des sujets qui sont compliqués à réguler parce qu'à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore de ces questions, ça en entraîne d'autres. Et donc typiquement sur la question de la régulation des médias, un des arguments qui nous est rétorqué par rapport à ça, c'est que si par exemple, mettons, on commence à donner des pouvoirs aux autorités de régulation audiovisuelle et au ministère pour encadrer l'information, si on a un pouvoir d'extrême droite qui arrive en 2027, est-ce qu'il aura désormais les outils pour faire du ministère de la Culture un outil de propagande? C'est une préoccupation qui est en réalité assez légitime. Autre préoccupation, si on commence à censurer le climato-scepticisme, où est-ce que s'arrête la censure? Est-ce qu'on considère que toute négation de tout propos scientifique constitue une entrave à notre démocratie? Mais auquel cas, qu'est-ce qu'on considère une vérité scientifique? Est-ce qu'on considère que tout le monde devrait être pro-vaccin sans plus parler de la polémique? Enfin, c'est des choses qui sont assez angoissantes quand on commence à l'envisager. Donc, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont très touchy. Et nous, on essaie vraiment d'uniformiser au plus bas dénominateur commun, qui est juste la certitude absolue qu'on a qu'il existe un réchauffement climatique et qu'il est d'origine humaine. Mais passer ce socle, c'est vrai que c'est compliqué d'aller plus loin parce que des questions démocratiques profondes se posent. Merci beaucoup, Eva. On n'a pas ce gouvernement d'extrême droite que tu évoques là et qui fait effectivement, enfin qui me fait aussi très peur. Là, on est dans un contexte politique, un président, un gouvernement qui a été élu sur une promesse ni de droite ni de gauche. Bon, ça souvent, ça veut dire de droite. Mais aujourd'hui, on a ce gouvernement qui s'affirme au centre et malgré ça, ça passe pas. Les lois, des lois qui peuvent paraître pour des citoyens et des citoyennes comme des lois de bon sens et de nécessité vitale, ne passent pas. Renaud, quel est ton point de vue là-dessus? Pourquoi ça passe pas? Bon alors, au préalable, juste dire que nous, on n'est pas confrontés à une problématique exactement similaire à celle que Quota Climat rencontre, c'est-à-dire que le secteur des médias est totalement protégé par la question de la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Le secteur de la communication ne l'est pas au même titre. Elle n'est pas du tout protégée. Elle l'est partiellement par le droit fondamental à la liberté d'expression. Quand vous avez un droit fondamental, il y a des mécanismes juridiques supérieurs qui empêchent l'État de porter atteinte à ce droit et c'est bien là-dessus que s'appuie le socle démocratique. Du coup, le travail d'Eva est un petit peu plus compliqué que le nôtre pour pouvoir effectivement trouver un niveau d'intervention qui permettent quand même aux médias de traiter correctement, disons, les questions du climat. Sur la question de la communication des entreprises, il se trouve que, si on, pour l'anecdote presque, dans la définition de la liberté d'expression dans les traités internationaux, celui des droits humains et celui des droits civils et politiques, vous avez une liste des 7 items qui sont protégés par la liberté d'expression, dont les journalistes, la liberté religieuse, etc. Puis à la fin, vous avez un point et ensuite a été ajoutée la communication commerciale. Donc, on sent bien, je n'ai pas pu investiguer là-dessus, mais que ça a été un ajout postérieur qui est le résultat d'un processus d'influence et que c'est la communication commerciale est protégée que de manière partielle, ce qui veut dire que les pouvoirs publics sont légitimes à intervenir dès qu'elles ont une bonne raison, entre guillemets. Le fait est que la communication commerciale, elle est aussi protégée par la liberté d'entreprendre, un autre droit fondamental, qui n'est pas du tout du même acabit. En tous les cas, il est plus facile d'intervenir sur la question de la communication commerciale, parce que ça paraît évident que le droit d'une entreprise à expliquer combien son produit est va être utile au consommateur n'a pas commune mesure avec le droit d'un journaliste à témoigner d'une situation. Et cela dit, on a quand même cette énorme difficulté, mais on ne la rencontre pas du tout en France, à intervenir, parce que l'idée de l'autorégulation s'est vraiment installée dans les esprits des décideurs politiques et du coup de la population,
Et donc, à l'heure actuelle, toute volonté d'intervention de l'État génère des réactions très, très fortes. Et donc, durant la loi climat, et je vais venir à la posture de la majorité politique actuelle sur ces sujets, mais l'exemple de la loi climat est très intéressant en 2021. On a vu, donc il y avait la Convention citoyenne qui a proposé, par exemple, d'interdire la publicité pour les SUV. On était vraiment dans le niveau bon sens. On a vu des tribunes de la part du lobby de la communication commerciale, dans des fausses tribunes en fait de l'achat d'espace. Hein, ils achètent un encart, c'est une pub, et ils prennent le format d'une tribune qui appelait, qui expliquait que on allait interdire toute la publicité et que c'était la fin de la démocratie et du pluralisme en France. Et vraiment, c'est les mots qu'ils utilisent parce que la publicité, vous le savez, finance une partie des médias. Donc on a eu vraiment des réactions très très violentes comme ça. Et de fait, quand on voit dans le projet de loi climat, celui qui a été mis sur la table par le gouvernement, sur la table du Parlement, on voit dans l'exposé des motifs que c'est précisément la question du pluralisme, du financement des médias, qui a fait que le gouvernement a reculé sur l'interdiction de certains produits. Donc le gouvernement a vraiment été très sensible à l'argument totalement caricatural, en l'occurrence, du lobby. Après, on a aussi voilà, une sociologie de ce gouvernement. En l'occurrence, c'était Aurore Berger qui était à la manette, qui est aujourd'hui la numéro 2 ou 3 du gouvernement et du parti Renaissance, qui vient elle-même du secteur de la communication, de Publicis, je crois, et qui a véritablement été une courroie de transmission des arguments du lobby à l'époque, elle étant en tant que députée, dans les débats parlementaires. Donc là, on a la question des entrées, des portes ouvertes à l'influence du lobby des entreprises privées dans le gouvernement et le différentiel qu'il peut y avoir avec les ONG comme nous qui faisons, qui nous menons des activités d'influence, hein, des activités de plaidoyer, et ça, on l'assume parfaitement. On n'avait pas du tout la même oreille qui nous a été prêtée. Donc, c'est pour moi les deux éléments. On voit clairement que, bien au-delà de la question de la régulation de la communication commerciale, la majorité actuelle souhaite a beaucoup de difficultés avec l'intervention de la loi qui, par définition, est contraignante et qui parfois est appropriée, parfois ne l'est pas. Ça nous. On est aussi à l'aise avec ça, mais là, on a l'impression que c'est jamais approprié et tentent toujours des mécanismes d'autorégulation pour voir où ils vont. Là, on est 2 ans après, on observe que les contrats climat sont un échec, on observe que les RPP est un échec sur les contenus, et donc on pense qu'il est temps, on peut poser un diagnostic comme quoi aujourd'hui la loi doit intervenir sur certains sujets en complément hein, d'un travail en interne avec les professionnels qui doivent être plus responsables. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre dans les mains des professionnels avec des dynamiques RSE. Mais la loi doit fixer certains cadres et aujourd'hui, on pense qu'il est temps de clarifier ce diagnostic avec la majorité. Donc, si je comprends bien, pardon Eva, Oui, vas-y. si je peux compléter, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais je pense qu'il est important de mentionner. Quand on parle de liberté d'expression, c'est vrai que directement, on a l'impression qu'on a envie de rétrograder sur les engagements écologiques parce que ce serait trop dangereux et que la menace démocratique risquerait d'être trop importante. Je veux aussi rappeler qu'en Constitution française et dans le droit européen, il y a la notion d'abus de droit qui existe et qui permet de rééquilibrer quand un droit fondamental est menacé par un autre ou par le trop fort exercice de l'autre. Et c'est important de le dire parce que la liberté de communication et d'expression des médias, elle doit être mise en perspective avec le droit des citoyens d'environnement sain et le droit à l'information, et en droit français, le droit à l'information environnementale spécifiquement. Et donc nous, c'est à ça qu'on se raccroche pour légitimer notre action en démocratie. Et donc voilà, pour donner peut-être une contradiction à cette critique de censure qui peut survenir assez fréquemment. Merci pour la précision. Si je reformule ton point, Renaud, en fait, les lobbies de la communication commerciale utilisent la liberté d'expression, le droit à l'information comme argument. C'est-à-dire que si on en revient au livre L'information est un bien public de Julia Cagé et Benoît Huet, qui analysent que des médias qui sont dépendants de la publicité ne sont en fait pas libres. Donc, il faudrait que les médias puissent se sortir de cette dépendance. Donc, par exemple, avec des modèles par abonnement, où ils proposent d'autres modèles créatifs pour pouvoir les financer. En fait, ça c'est utilisé de manière assez tordue pour dire, bah, en fait,
c'est pas, le problème n'est pas que les médias soient dépendants de la pub, le problème c'est que si on enlève la pub, alors les médias ne vont plus pouvoir nous informer. C'est-à-dire c'est une espèce de retournement logique. Est-ce que c'est bien ça que tu décris ? On t'entend pas, Renaud. Alors oui, complètement, mais c'est aussi le cas du grand public, c'est-à-dire que là... Pourtant, j'ai mon micro ouvert. Allô, 1-2-1-2. Vous m'entendez ? Super. Ouais, ouais, c'est bon. Vous m'entendez ? Ah, ok, très bien. Même dans le grand public, la publicité aujourd'hui est perçue comme un outil de financement des médias. La première analyse, de manière générale, et en particulier, pour le coup, du côté du gouvernement, mais plus largement que le gouvernement, hein, pour le coup, tous les partis qui ont été aux responsabilités ces 20 dernières années, la publicité est un outil de financement. N'est pas un problème pour que les médias, c'est-à-dire qu'un haut financement de pub, un haut financement publicitaire des médias ne devient pas un problème pour que les médias accomplissent leur mission d'investigation, d'information et de divertissement. Non, elle est un outil de financement. Donc, tout est reste à faire pour faire évoluer l'analyse selon laquelle, à quel moment les médias remplissent leur mission et à quel moment des financements publicitaires élevés conduisent les médias à faire tout sauf leur mission, c'est-à-dire répliquer des contenus qui existent, poursuivre le buzz, organiser, mettre en scène du débat. Enfin, Eva en parlait mieux que moi, mais en gros, les éditocrates remplacent les journalistes d'investigation. Tous ces sujets-là, non, ne sont pas vraiment sur la table. Donc là, il n'y a pas de perception critique du financement publicitaire des médias. Là, tout reste à faire sur ce plan-là. Alors justement, dans ce qui reste à faire, Eva, quelles sont les actions, les solutions sur quoi, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Sur quoi vous travaillez chez Kota Climat et d'autres peut-être? Enfin, sur une note plus constructive après cette phase critique, on t'écoute. Nous, on a élaboré une note politique qui retrace un certain nombre de leviers d'action qui permettent d'avancer sur ce sujet. Il y a certains leviers qui sont de l'ordre du volontariat par les médias, donc typiquement le fait de rendre obligatoire une formation pour l'ensemble de ces journalistes dans une rédaction et faire en sorte que voilà, tout le monde y passe, qu'ils aient des heures de formation dédiées pour prendre en considération ces enjeux dans leur pratique, donc pas uniquement un éveil global aux questions de transition écologique, mais spécifiquement dans le cadre de leur métier, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer dans leur ligne éditoriale ces questions. C'est vraiment très précieux. Il y en a de plus en plus qui le font. Malheureusement, ce n'est pas forcément obligatoire. Et en fait, quand on dit obligatoire, c'est de donner les moyens aux journalistes de se rendre disponibles pour la formation. Donc, ça veut dire que la charge de travail doit être adaptée en fonction pour qu'il y ait vraiment ce temps qualitatif qui leur soit offert. Mmh. Il y a ça aussi dans les écoles de journalisme de plus en plus. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans le tronc commun de formation des journalistes, il y ait vraiment une section dédiée au traitement des enjeux écologiques, parce que ça nécessite quelques connaissances en matière de médiation scientifique, par exemple. C'est quand même une discipline qui est particulière et qu'il y a un peu de complexité à appréhender. Et ensuite, il y a un certain nombre de leviers qui relèvent, selon nous, de la loi. Donc l'association Kota Climat, comme son nom l'indique, elle revendique l'instauration en période électorale d'un quota dédié aux enjeux écologiques dans les médias. C'est qu'en période électorale, on ne se dit pas que ce soit quelque chose qui soit à pérenniser à travers le temps parce que ce serait trop compliqué à mettre en œuvre. Mais dans ces moments, on quantifie spécifiquement la quantité d'informations présentes dans les médias, la qualité des intervenants qui en parlent, notamment des intervenants politiques. On pense que c'est possible d'avoir des métriques qui permettent de mesurer la prévalence de ces sujets. Et c'est ce à quoi on travaille aussi en parallèle pour montrer que c'est faisable. On développe notre propre outil pour équiper aussi l'autorité de régulation. Donc on pense que ça, c'est important à minima dans les programmes politiques et d'information, pour que les citoyens votent de manière la plus éclairée possible, avec des éléments de compréhension de la qualité des programmes des candidats, y compris des candidats d'extrême droite sur les questions d'écologie, parce que c'est important de ne pas uniquement interroger les candidats qui ont déjà des programmes étoffés en la matière, sinon on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente de l'autre côté du spectre politique. Donc ça, c'est un levier. On pense que l'autorité de régulation audiovisuelle a son rôle à jouer sur l'encadrement de l'information dans l'audiovisuel. Côté presse écrite, c'est un petit peu plus touchy parce qu'il n'y a pas d'encadrement qui est similaire à l'audiovisuel, il n'y a pas d'autorité de régulation. C'est principalement de l'autorégulation. Donc il y a le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, qui travaille à encadrer la déontologie dans la presse écrite, sauf que pour être concerné par le CDJM, il faut adhérer volontairement, qu'il n'y a pas forcément tous les médias français qui ont adhéré à ce CDJM. Et la déontologie du CDGM aujourd'hui n'inclut pas de dimension environnementale. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une charte environnementale qui soit endossée par le CDGM pour qu'ensuite leurs adhérents puissent se conformer aux grands principes.
Donc ça, c'est un autre levier. Et on pense aussi que dans les chartes déontologiques des médias, donc ce sont des grands principes déontologiques qui guident les rédactions, on pourrait également intégrer une dimension environnementale. Et ensuite, dernier point, je pense que Renaud en a beaucoup parlé, mais on pense aussi que la publicité doit être encadrée de manière plus stricte. Aujourd'hui, les contrats climat ne sont pas fonctionnels, donc les contrats climat qui sont issus de la loi climat résilience. Et nous, notre principe de réalité, c'est qu'on se dit, dans un très court terme, peut-être qu'une manière d'aller de l'avant, ce serait à minima de les rendre obligatoires et opposables. Donc s'ils ne répondent pas aux deux objectifs de la loi, qui sont de lutter contre les contenus publicitaires défavorables à l'environnement, et le deuxième, c'est de lutter contre le greenwashing, eh bien, ils soient retoqués et que les annonceurs doivent être contraints de revoir leur copie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui n'est pas désirable parce que l'esprit de la loi n'est pas respecté. Et à terme, on peut très bien se dire que en fait, les contrats climat est juste un dispositif non fonctionnel. Et donc, il faut revoir carrément le dispositif. Et ben là, il y a beaucoup de pistes que Renaud a évoquées. Mais voilà. Voilà ce sur quoi on travaille. Merci beaucoup, Eva. Dans le chat, Slaughters indique... Lorsqu'un média dépend fortement des recettes publicitaires, il peut être tenté de modérer son contenu pour satisfaire les annonceurs et éviter de les perdre. C'est exactement un très très bon résumé du propos de la dépendance et ce que tu évoquais, Renaud, de la publicité, la communication commerciale vue comme un moyen pour les médias, un moyen non problématique, un moyen efficace pour financer les médias. Alors qu'il y a plein d'effets de bord en termes de qualité journalistique qui sont assez documentés. Alors, si on revient aux solutions, Renaud, dans quel sens va le think tank communication et démocratie et sur quoi on peut et sur quoi il faut agir d'après toi et d'après vous? Alors, je vais vous le dire, mais peut-être je n'ai pas été assez précis sur juste terminer le propos sur le lien entre les financements publicitaires et le traitement des médias, et ça peut aussi rebondir sur ce que disait Eva en particulier. En gros, il y a deux niveaux d'impact quand vous avez des financements publicitaires en général, quel que soit l'annonceur. Quand ils sont plus élevés et voire 100% de vos ressources, vous avez structurellement une tendance, c'est ce qu'a dit l'internaute, à avoir des approches journalistiques qui sont plus de l'ordre de la recherche du buzz hein, que de la recherche d'informations, parce que plus vous générez d'audience et plus vous générez de revenus. Après, vous avez le mécanisme direct de censure et d'autocensure. Là, ce sont les très gros annonceurs qui font pression parce que vous pouvez faire des articles hostiles. Donc là, typiquement, on a vu LVMH qui a retiré un demi-million, un peu plus, à Le Monde après le traitement des Paradise Papers. On a vu Élise Lucet de Cache Investigation qui a témoigné directement des coups de pression des grands annonceurs sur la rédaction de France 2, on a vu Volkswagen, le groupe automobile, qui a envoyé des messages à toute la presse quotidienne régionale pour leur dire de ne pas traiter le Dieselgate au moment où vous allez lancer un nouveau modèle. Enfin, on a vu tout ça, et c'est là que je crois qu'il y a le pont direct avec Eva, et puis après j'ai une résolution, avec Quota Climat, c'est l'affaire du Daily Telegraph. On a en 2012 un retrait des financements publicitaires par la HSBC parce que le Daily Telegraph avait fait des investigations sur les filiales de la HSBC à Jersey. Trois ans plus tard, il y a les Swiss Leaks et on a une couverture totalement dérisoire par le Daily Telegraph des Swiss Leaks qui sont toujours financés par HSBC. Donc là, on a l'éditorialiste star qui démissionne et la HSBC assume les articles de dire quand il y a des articles hostiles, on retire les financements. Donc ça, ça montre que c'est quand vous retirez les financements un jour, c'est pendant des années qu'il y a de l'autocensure. Et c'est là qu'on comprend mieux ce qui s'est passé quand le Guardian renonce au financement publicitaire de la part des géants du pétrole pour dire, je cite, « augmenter sa couverture de la crise climatique ». Quand vous êtes financé par… quand une grande partie de votre portefeuille de financement est celui des géants, clairement, vous diminuez votre couverture. Donc ça, c'est imperceptible pour le lecteur, mais tendanciellement, c'est très lourd. Donc voilà les deux types d'impact. En termes de solutions, du côté vraiment de la communication, et ensuite il y a des solutions du côté des financements publicitaires qui rejoignent celles qui ont été évoquées par Quota Climat. Du côté vraiment de l'encadrement de la communication, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il faut sortir certains produits du marché publicitaire, tout simplement. Soyons rassurés, il y a des milliers et des milliers de produits sur le marché publicitaire. Il s'agit d'en sortir une poignée, une demi-douzaine, qui concentrent beaucoup de dépenses, mais c'est justement le problème, c'est les plus polluants. Et là,
j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, l'outil des contrats climat, et manifestement Quota Climat est d'accord avec ça, n'est pas satisfaisant. Nous, on ne demande pas un renforcement de cet outil. En fait, on serait d'accord avec cette idée, mais cet outil a été taillé pour être non contraignant. Donc, le rendre contraignant, ben, ce serait changer l'outil. Donc, pourquoi pas? En tout cas, on pense qu'il faut effectivement voilà, que la loi intervienne, identifie sur des bases techniques, mais aussi un débat démocratique, les outils qui doivent sortir du marché. Ça, c'est une chose. Sur la question des contenus, la RPP est une association qui a le droit de citer. Nous, on pense que les pouvoirs publics doivent aussi mettre en place un dispositif qui assure le contrôle des contenus, en tous les cas sur les grandes campagnes. Il faut quand même savoir que les campagnes sont extrêmement concentrées. Vous avez 60 000 annonceurs sur le marché, vous en avez 500 qui concentrent les deux tiers des dépenses. Donc, il s'agit de se pencher sur celles-là, puisque c'est celles-là qui sont visibles, c'est là où il y a les produits problématiques. Sur ces campagnes-là, il faut effectivement que le ministère, la direction de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le ministère de l'environnement aient de véritables outils pour contrôler les contenus et sanctionner les discours de greenwashing dont on a parlé tout à l'heure ou des stations gaspillage. Et le troisième élément, alors là, par définition, c'est forcément la loi qui doit le faire, c'est la question de la régulation des volumes de publicité. Il y a un lien direct entre le niveau de pression publicitaire et le niveau de consommation. Ça, c'est une étude universitaire que l'on a produite qui le montre. Donc là, il faut taxer les dépenses pour réduire la pression publicitaire. Ça, seule la loi peut le faire. L'avantage d'une approche comme celle-là, c'est que la taxe génère des recettes et des recettes peuvent typiquement être intéressantes pour le financement de l'indépendance des médias. Parce qu'effectivement, sortir certains produits et taxer les dépenses vont réduire une partie des financements publicitaires qui vont vers les médias. On l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas toujours un problème, mais il faut penser la transformation du financement des médias et donc récolter des fonds qui permettent de faire baisser la surconsommation afin de financer, d'inciter les médias à plus d'indépendance. Est probablement une bonne idée. Au niveau des chiffres, ça colle. Il y a suffisamment d'argent pour les besoins qu'ont aujourd'hui les médias. Je parle en particulier de la presse écrite. Après, et je termine par là, d'une part, à notre sens, les médias publics devraient être sans publicité, hein, sur le modèle de la BBC, envoyer un message clair. Quand c'est du public, il n'y a pas de pub. Les médias privés, ensuite, s'organisent comme ils le souhaitent, mais les médias publics ne doivent pas entretenir la confusion, aussi bien du côté de la radio que de France Télévisions. Et l'autre élément, c'est les réformes des aides à la presse. Aujourd'hui, les aides à la presse sont des financements importants. Hein. Elles sont directes ou indirectes. Aujourd'hui, elles sont accaparées très largement par des médias lourdement publicitaires. Et donc ça pose un vrai problème. Elles devraient être, selon nous, entièrement fléchées vers soit les médias les plus indépendants, parce que vous prenez Alternative Économique, qu'on ne peut pas suspecter d'être à la solde, on va dire, de l'ultra-capitalisme, inclut de la publicité. Mais il l'a choisi, il a une sorte de ligne éditoriale de la publicité, et concrètement, c'est quasiment que l'économie sociale et solidaire hein, qui peut passer des encarts pubs dans Alternative Économique. Donc l'idée n'est pas de réduire à zéro tous les financements publicitaires, loin de là, mais avoir une réforme des aides à la presse qui soit incitative pour ceux qui en ont peu ou ceux qui n'en ont pas. Voilà vers quoi on se tourne. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat. Avez-vous un soutien auprès des juristes? Je ne sais pas qui a envie de répondre à cette question. Mais moi, je peux répondre, oui, bien sûr. Les propositions qu'on émet sont expertisées par des personnes qui sont juristes, qui sont expertes aussi de la légistique. Parce que quand on écrit une proposition de loi, il faut s'assurer que derrière, les ministères ne retoquent pas pour des raisons techno les propositions, mais bien parce que le fond ne convient pas. Et donc oui, bien sûr, on est accompagné. Merci. On a dans l'audience aujourd'hui des étudiants et étudiantes en communication, peut-être en publicité, dans différents secteurs, métiers, domaines. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dans le chat. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que il vous paraît nécessaire de limiter par la loi la communication, la publicité sur certains domaines. Et donc ça peut vouloir dire bah, moins de travail, non? Si je peux me permettre, ouais. En fait, je pense que c'est juste un remodelage du métier qu'on est en train de préconiser et pas une réduction du travail, parce qu'il y a énormément de choses à mettre en avant. Et c'est aussi des messages d'intérêt généraux qui sont aujourd'hui invisibilisés parce qu'ils génèrent moins peut-être de revenus
dans le fonctionnement actuel des choses que des messages avec des intérêts économiques bien clairs derrière. Je pense que la profession de communicant et de journaliste doit réaliser le rôle de prescripteur de comportement et d'opinion qui est la sienne, et pas que de relais d'information. Et je pense que ça, c'est peut-être un point qui tranche avec la conception traditionnelle du métier, qui peut être celle où on considère qu'on est juste des relais d'information et que on s'approche de la neutralité, de l'objectivité dans la manière dont on transmet ses contenus. La neutralité et l'objectivité, c'est peut-être un objectif, mais c'est vain de penser qu'on l'a atteint. Et souvent, la manière dont on a de communiquer aujourd'hui les choses, ça relève du statu quo. Et le statu quo, on sait qu'il est délétère pour le vivant, en règle générale. Donc il y a quand même un travail à faire de se dire, aujourd'hui, les pratiques du métier de communicant et de journaliste vont plutôt dans un sens plutôt que d'un autre, c'est important de le reconnaître. Comment est-ce qu'on peut remodeler ça pour prescrire des comportements qui sont d'intérêt général? Et je pense que si on accepte aussi que le métier de journaliste soit en partie de prescrire et pas que de relayer, ça pourrait permettre d'aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui est compliqué à réaliser parce qu'on a l'impression que ça relève du militantisme, mais je pense que c'est juste réaliser que ce qu'on réalise au quotidien fait déjà ça de manière tacite et qu'il faut mettre un nom dessus pour avancer. Merci beaucoup, Eva. Donc, un remaniement des métiers, notamment des métiers de l'information, du journalisme, un changement, mais pas forcément une diminution en volume. Renaud, sur les métiers de la communication, des médias, de la publicité, de la communication commerciale, on va mettre plein de gens au chômage en faisant des lois, en légiférant ou pas? Il n'y a pas de raison particulière, ça dépend du contenu de la loi. Il y a environ 300 000 personnes qui travaillent aujourd'hui en agence ou dans les directions com des entreprises, donc c'est un secteur conséquent. Après, il y a les personnes qui travaillent dans les régies médias, mais c'est presque à part. Selon nous, pour que certains sujets évoluent, produits, contenus, volumes, il faut une intervention de la loi, mais ce ne sera pas suffisant. En fait, la particularité de la pub, déjà, il y a un travers, donc c'est intéressant d'entendre la question du côté du journalisme, du côté de la publicité, c'est historiquement un petit peu la même chose. Le communicant a d'abord dû se défendre de n'être qu'un passe-plat. On lui dit un message et il le met en forme. Et aujourd'hui, au contraire, il se cache derrière cette idée pour dire « Ah ben non, je ne suis pas responsable. Effectivement, je fais des messages créatifs qui permettent de vendre plus de SUV. » Mais le SUV, c'est le fabricant qui les fait. Moi, si je quitte mon poste, quelqu'un d'autre viendra. Ah non, le communicant est responsable du message qui passe, et y compris sur le fond. Et donc, il est responsable du produit qu'il vend. Mais il est effectivement dépendant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pub responsable pour des produits irresponsables. Donc, il y a une dépendance totale. La pub peut évoluer. Si l'offre de produits et les modèles économiques des entreprises n'évoluent pas, on est dans l'impasse. Donc, il va falloir marcher sur deux pattes. La loi doit intervenir pour faire et éviter les pires dérives que l'on observe aujourd'hui dans le Far West, effectivement, de la publicité. Ensuite, il faut que la loi intervienne également pour faire évoluer l'offre, parce que ça, c'est, alors là, on est sur des sujets très, très lourds. Mais disons, projetons-nous à demain. On a effectivement des entreprises qui ne sont plus que sur la croissance en volume, qui vendent des produits qui ont une empreinte écologique très faible. À partir de la loi est encadrée sur certaines dérives, greenwashing, station de gaspillage, les produits les plus polluants ont disparu, et en volume, on a baissé. OK. Il restera aux communicants à inventer les nouveaux récits qui correspondront à cette nouvelle offre des entreprises. Et donc là, il va y avoir besoin de communicants, effectivement, pour conduire, inciter les consommateurs à se diriger vers l'offre la plus intéressante. Et puis, il va falloir inventer ces nouveaux imaginaires parce qu'ils n'existent pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'hégémonie de la voiture individuelle. Enfin, il y a plein d'imaginaires à faire évoluer. Et là, il y a une grosse responsabilité des communicants. Et elle est passionnante, en plus. Et je veux dire par là que la loi est tout sauf l'ennemi aujourd'hui du secteur publicitaire. Elle est au contraire la condition qui fait que le secteur publicitaire va pouvoir être en phase avec l'économie de demain. Si on s'en tient à l'autorégulation, à l'heure actuelle, le secteur, les représentants d'intérêt du secteur de la communication commerciale sont des freins, mais des freins, ils sont en contre total avec l'évolution du secteur. Donc, il va falloir que la loi intervienne pour recadrer les choses, et puis il restera un chantier passionnant qui sera celui d'inventer les nouveaux récits quand les dirigeants d'entreprise auront, eux, inventé les nouveaux modèles économiques. Donc, si j'entends bien, Renaud, pour toi, la loi ne va pas nécessairement diminuer les emplois. En revanche, ça va permettre d'arrêter de parler de nuggets et de SUV
et de flécher la créativité, le travail, les budgets vers d'autres champs plus compatibles avec l'intérêt général, peut-être des champs dans la culture, mais dans d'autres domaines, l'écologie ou des choses compatibles avec une vie soutenable. Mais il y a vraiment autant d'argent ? Les gens ne vont pas devoir diminuer leur salaire ? Alors, il y a deux sujets. Il n'y a pas de raison particulière pour que le nombre d'emplois diminue, et on peut même penser que le nombre d'emplois pourrait augmenter, parce qu'aujourd'hui, la publicité est extrêmement concentrée sur un nombre très réduit de produits par de très, très grands annonceurs. Si demain, le marché est beaucoup plus éclaté, il y aura moins de campagnes de très grande ampleur, mais un plus grand nombre de petites campagnes. Et un plus grand nombre de petites campagnes, ça veut dire un plus grand nombre de créatifs, de media planners, de graphistes, donc probablement plus d'emplois. Donc après, ça, on rentre dans des sujets techniques et il faut mesurer, mais il n'y a pas de raison particulière de penser que la régulation, y compris par la loi de la publicité, va réduire le nombre d'emplois, et il y a des raisons de penser qu'elle peut au contraire augmenter. Pour le coup, moi, je pense que s'il y a un souci à se faire du côté des emplois dans le secteur de la communication, il vient plutôt de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un autre sujet. Il ne vient pas du tout de la loi. Après, il y a effectivement la question des salaires. Parce que pourquoi on trouve aujourd'hui l'Association des agences conseils en communication, la ACC, qui est le représentant d'intérêt du secteur des agences, donc pas celui des marques, qui est au front, en fait, pour défendre de toute intervention des pouvoirs publics, hein, qui est celle qui a publié cette fausse tribune sur le financement des médias et le pluralisme à l'époque de la loi Climat et Résilience, qui vraiment met en scène toutes les relations publiques du secteur pour dire l'autorégulation, c'est suffisant, l'éco-conception des campagnes, on va planter des arbres pour compenser le carbone du tournage publicitaire d'une publicité, et l'affaire est pliée. Pourquoi ce sont les agences qui sont au front ? Alors qu'en fait, c'est les marques qui auraient éventuellement à perdre, c'est les marques, typiquement les productrices de SUV ou de produits trop sucrés, trop salés. Eh bien, la raison, c'est parce qu'à la tête de ces grandes agences, il y a un top management qui a effectivement des salaires de mirobolants, et que si demain, il n'y a plus les contrats avec les constructeurs de voitures et les vendeurs de l'agro-industrie, effectivement, ils vont perdre une partie de leur salaire. En dessous, on passe très très vite aux juniors et aux stagiaires mal payés, qui est celui qui fait le PowerPoint vendu plusieurs milliers d'euros à l'annonceur. Donc, il y a en gros ce que je veux dénoncer là, c'est qu'il y a à l'intérieur du secteur publicitaire véritablement une élite extrêmement bien payée qui est celle qui défend le statu quo aujourd'hui, et une armée de petites mains qui n'a en fait pas beaucoup d'intérêt d'abord à ce que le statu quo n'évolue pas, et qui en fait n'est peut-être pas payée à sa juste valeur. Bon, là, on rentre dans des questions syndicales, mais là, il y a vraiment un sujet en interne dans le secteur de la communication, et je pense qu'il se traduit politiquement, parce que finalement, les raisons pour lesquelles on a la ACC et le secteur des agences qui bloquent autant sur ces questions de transition écologique, c'est peut-être finalement que parce que le top management veut défendre des gros salaires. Quoi. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Eva et toute l'équipe MMI. Eva, je te laisse le mot de la fin. Il nous reste 2 minutes. Merci d'avoir composé avec les difficultés techniques. Oui, merci, je suis vraiment désolée. mais non, j'étais très heureuse de pouvoir partager ces réflexions. Je pense que c'est important de rappeler que la réflexion autour de la communication responsable et du rôle du journalisme dans la transition, c'est quelque chose qui est très franco-français à l'heure actuelle. Qu'il n'y a pas cette réflexion qui a trop essaimé dans d'autres pays du monde. Et nous, c'est des réflexions qui nous taraudent beaucoup chez Quota Climat, de faire en sorte qu'on ne soit pas dans notre microcosme à prendre conscience de ces enjeux qui sont en fait assez déterminants dans la mise en mouvement de l'ensemble du triangle de l'inaction, c'est-à-dire les entreprises, les citoyens et puis les politiques, dans les transformations culturelles en fait, qui sont nécessaires pour opérer la transition. Et donc les réflexions qu'on essaie de mener aujourd'hui, c'est comment est-ce que ce type d'initiative et de prise de conscience peut essaimer à l'échelle internationale, dans les instances qui régulent, enfin qui donnent des guidelines en fait, pour réguler l'information. Donc typiquement l'UNESCO peut avoir ce pouvoir de transmettre ce type de guidelines à des ARCOM nationales ou à des centres de régulation. Voilà. Donc c'est important, je pense, si vous avez des échanges avec d'autres instances internationales ou dans le cadre d'agences de presse internationales ou dans le cadre de vos métiers, de transmettre ces messages au-delà de nos frontières, parce que la prise de conscience sur la dernière année en France, elle est assez phénoménale et elle mérite d'essaimer ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Oui. Bonne journée, au revoir.